Comment savoir si elle cache ses sentiments pour vous? Alors parfois, messieurs, en séduction, cette fille vous plaît, mais vous ne savez pas trop si c'est réciproque ou non. Il y a un peu des signaux mixtes et donc vous vous demandez si elle cache ses sentiments ou si pas du tout, elle est comme ça avec tout le monde et donc il n'y a pas un intérêt débordant pour vous. Mais on en parle après le générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de James D, votre expert en relations amoureuses. Et dans cette vidéo, on va voir comment savoir si cette femme cache ses sentiments pour vous. Alors j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais les raisons qui peuvent pousser cette femme à cacher ses sentiments, c'est que premièrement, elle ne veut pas passer pour une fille facile. Deuxièmement, c'est que les femmes parlent souvent un langage indirect et donc vont vous envoyer des signaux pour que vous puissiez l'aborder. C'est pour ça que généralement les hommes sont plus actifs en séduction que les femmes. Et la troisième raison, c'est que si vous, vous avez peur du rejet, les femmes en ont encore beaucoup plus peur que nous. Donc voyons maintenant les signes qui montrent que cette femme peut cacher ses sentiments pour vous. Le premier signe, c'est qu'elle va vouloir passer du temps avec vous. Donc soit en acceptant vos rendez-vous, soit en vous proposant des rendez-vous, soit en créant des hasards qui ne sont pas réellement des hasards. Elle va provoquer sa chance en allant dans les mêmes endroits que vous, que ce soit sur les mêmes créneaux horaires. Bref, elle va essayer de faire que vous vous rencontriez le plus possible. Parce que lorsqu'on a des sentiments pour une personne, la première chose qu'on veut faire, c'est voir cette personne. Donc, si elle accepte vos rendez-vous, si elle vous propose des rendez-vous, ou s'il y a un peu trop de hasard qui fait que vous voyez souvent cette femme, c'est que vraisemblablement, elle cache ses sentiments pour vous. Le deuxième signe qu'elle peut cacher ses sentiments pour vous, ou en tout cas qu'elle a de l'attirance, c'est qu'elle va chercher la compatibilité amoureuse en vous posant des questions. Sur votre vie, si vous êtes disponible émotionnellement, quels sont vos projets, où est-ce que vous habitez, quel âge vous avez, bref, tout ce que vous faites, va l'intéresser, non pas pour faire l'inspecteur, mais là, elle va vérifier votre compatibilité amoureuse. Et donc, si elle vous pose des questions, si elle essaye de vous découvrir, c'est que vraisemblablement, elle a un intérêt pour vous et qu'elle cache ses sentiments. Le troisième signe qu'elle cache ses sentiments, c'est qu'elle va rire à toutes vos blagues, même celles qui ne sont pas drôles. Une femme qui est intéressée et qui a des sentiments pour vous, vous allez être quasiment la 8e merveille du monde. Une femme qui est intéressée par vous, tout ce que vous allez dire, ça va être super. Donc, si elle rigole à vos blagues, si elle répond positivement à vos taquineries, si elle cherche le jeu entre vous, mais le jeu G-E-U, c'est que c'est un très bon signe qu'elle cache ses sentiments et qu'elle est très attirée par vous. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la blague, mais la valeur de la personne qui l'a dit. Donc, si vous avez une valeur importante pour elle, tout ce que vous allez dire sera drôle, fun, léger, etc. À condition, bien évidemment, que ce soit léger, fun et drôle. Si elle vous montre qu'elle apprécie votre présence à travers du sourire, du rire, etc., c'est un très bon signe qu'elle cache ses sentiments pour vous. Un autre signe qu'elle cache potentiellement ses sentiments, c'est qu'elle va vouloir plaire à vos proches. Elle va se soucier si vos proches, vos amis, éventuellement votre famille, si elle la connaît, l'apprécie. Parce qu'elle veut rentrer dans votre vie. Donc elle va tout faire pour que vos proches l'apprécient. Et ça, c'est un très fort signe justement qu'elle cache ses sentiments. Donc si vous la voyez agréable avec vos amis, si vous la voyez très souriante avec vos proches, etc., c'est certainement un signe qu'elle est intéressée par vous. Un autre signe qu'elle cache ses sentiments, mais que vous l'intéressez, c'est qu'elle va tout faire pour attirer votre attention, que ce soit à travers son apprêtement, que ce soit à travers une discussion. Elle va tout faire pour que vous la voyez. Elle peut parler un peu plus fort que d'habitude, elle peut rire un peu plus fort que d'habitude, elle peut essayer de se mettre dans votre champ visuel, elle va essayer de vous regarder, de vous observer, etc. Bref, si cette femme essaye d'attirer votre attention de façon discrète, c'est qu'elle est très fortement intéressée par vous et que vraisemblablement, elle nourrit des petits sentiments amoureux à votre égard. Un autre signe qu'elle cache ses sentiments, c'est qu'elle va vous demander votre avis, ce que vous pensez de tel ou tel problème, de telle ou telle personne, etc. Puisque votre avis est très important.
On demande souvent l'avis des personnes qui sont importantes pour nous, ou en tout cas à qui on leur donne une certaine expertise. Donc, si elle valorise votre avis, c'est que vraisemblablement, elle est intéressée par vous. Alors là, il faut faire attention si elle vous demande votre avis et elle en tient compte. Si elle n'en tient pas compte, ce signe est caduc. Mais si elle tient compte de votre avis, c'est que vraisemblablement, elle est intéressée et qu'elle écoute votre avis justement parce que votre valeur à ses yeux est trop haute. Et donc, elle cache vraisemblablement ses sentiments pour vous. Et enfin, le dernier signe, c'est qu'elle veut casser la distance communicationnelle qui vous sépare. Soit en vous écrivant, soit en se rapprochant de vous. Bref, elle va vouloir rompre la distance qui vous sépare. Et ça, c'est un signe très fort qu'elle cache ses sentiments. Si par exemple, elle se sert de ses amis pour se rapprocher de vous, ou de vos amis pour se rapprocher de vous. Bref, si vous constatez qu'elle essaye de casser la distance communicationnelle qui vous sépare, c'est que vraisemblablement, elle cache ses sentiments pour vous. Allez messieurs, analysez tous ces signes en cluster. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi le petit pouce bleu qui fait plaisir et je vous dis à très bientôt avec James D.